Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Jump Ryu. Donc c'est un petit, une sorte de petit magazine dans lequel en fait on a des informations sur comment dessiner Dragon Ball par le maître Toriyama. Et aussi, donc dedans, on a un DVD, on pourra le revoir en train de faire. Et on a donc un petit fascicule et différentes images que vous pouvez voir ici. Allez, sans plus attendre, on va l'ouvrir ensemble. Alors, donc ça commence déjà, hop, de cette manière. Donc là, on a donc ici les différents dessins que l'on peut voir. Et enfin, ici, on a la planche avec du Dragon Ball, hein, bien sûr. Hop, et quand on ouvre ici, donc ça se s'ouvre comme ça. Donc ici, on a un petit fascicule que on va pouvoir regarder ensemble. Hop, donc sa page, le petit mot ici. Donc voilà, c'est 2015, mais je crois que c'était sorti en janvier 2016, il me semble. Hop. Et donc, on a différentes pages. Hein. Voilà, avec des petites informations, les styles de crayon utilisés, certainement différents styles de traits, les différentes étapes sur un dessin. Donc ça, ce sont des choses que moi je ne connais pas, je ne suis pas dessinateur, mais ce sont des choses par contre moi qui m'intéressent. Donc comment je fais pour savoir? Je ne lis pas le japonais, mais j'utilise Google Trad. Hein. Ils font des petits. Ça donne pas une bonne traduction, mais ça permet d'avoir potentiellement un sens dans ce qui est dit. Et donc là ici, par exemple, là, ça permet d'avoir justement les petits dessins. Voilà comment surpasser. Ils expliquent comment faire parce qu'en fait, ça, ce dessin-là, là, en fait, on l'a dedans. Donc ça permet un peu de s'exercer au trait. Donc voilà. Donc ici les autres dessins. Voilà les autres pages. Donc c'est vraiment relativement sympa, hein. C'est vraiment quelque chose moi que je trouve super intéressant à avoir quoi du coup. Enfin, ça fait partie des petits fascicules de, voilà, que je commence à prendre plaisir à avoir. Et comme ça permet de compléter un peu la collection tout simplement. Donc voilà. Voilà. Et donc ça, voilà, ça c'est avec la couverture. Et donc dedans, comme je vous ai pu dire, le DVD qui se trouve ici. Donc allez hop, on va regarder ça tout de suite. Donc le fameux DVD, donc je vous disais, hop, donc on a ces informations là, et donc le DVD est là. Donc je vais me regarder ça, je vais voir si c'est possible que je vous mette des petites vidéos incrustées là dans la vidéo. Ça pourrait être intéressant si je peux mettre quelques petits extraits. Donc voilà, allez hop. Et donc ici, alors attention, sacrilège pour certains. Sacrilège, je vais enlever ceci. Et oui, là, je sais que déjà, âme sensible, s'abstenir, je vais ouvrir quelque chose de scellé. Et donc là, je sais que déjà, il y en a plein là qui vont dire, mais pourquoi il fait ça? Parce que moi, je veux voir ça. Moi, je vais les voir. Hein. J'achète pas un truc pour les garder sous blister. Moi, je fais partie de ceux qui ouvrent les choses. Et voilà, je l'ai fait, j'ai osé. J'ai ouvert. Eh ben, ça vaut le coup! Oh putain, oh, ça en jette. Allez hop, on essaie d'enlever ça du blister, mais déjà, le peu que j'ai vu là, je trouve ça magnifique, le peu que j'ai pu en voir. Allez hop, on va regarder ça. Eh ben, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Regardez ça, cette feuille là. Blanche et tout. Voilà, ça c'est de la photocopie, hein. c'est pas fait main, c'est une photocopie, mais franchement regardez moi ça, c'est juste magnifique quoi. C'est juste magnifique, franchement j'ai un gros kiff. Donc ça, la fameuse petite dédicace aussi, vraiment très très jolie.
là, franchement, je crois que je vais les encadrer, les machins. Puis ça, c'est les petits trucs là, comme je vous ai dit, je vous ai montré tout à l'heure dans le fascicule. Là, faut refaire les traits, faut s'amuser à dessiner, et ça fait la petite planche, quoi. Ça fait la petite planche. Et ben là, j'ai un très très gros kiff sur ces dessins là, qui sont magnifiques, magnifiques. Allez, hop, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit unboxing. Alors, c'est pas du récent, hein. Là, on est sur du très très vieux. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant d'avoir cet unboxing là. Je voulais vous faire partager. Je voulais vous le faire partager au final. Allez, hop, on range ça correctement, sans abîmer, bien sûr. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, liker le pouce bleu, bien sûr, forcément, et à me suivre sur mes autres réseaux dans lesquels vous allez avoir d'autres unboxings assez sympathiques. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bye bye! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.